Des jeunes filles, des messages inspirants, des histoires et même des recommandations. Dans cette salle du lycée jeunes filles de Yopougon, l'on assiste au forum des métiers. À travers un panel, les élèves écoutent attentivement les conseils de leurs devancières. Notre plaisir pour nous a été vraiment important. Pourquoi ? Parce que nous avons été honorés de participer à cette mini, je dirais, conférence et qui a mis en valeur nos jeunes filles du lycée de Yopougon. Et on a été invité par Dr Kabore et aujourd'hui nous avons permis de donner quelques outils et les leviers éventuellement pour accompagner les carrières de ces filles sans oublier les valeurs qui les accompagnaient. Journalisme, médecine, sport, presque tous les métiers sont mis en évidence au cours de cette troisième édition du Forum des métiers organisé par l'Association des alumni du lycée jeunes filles de Yopougon. Exceptionnellement pour cette édition, on y a associé un panel avec le thème « Avoir les outils pour fleurir sa carrière ». Un panel qui a été tenu par des femmes inspirantes, par des femmes qui ont un parcours inspirant au risque de me répéter. Et je pense que ça fait du bien à nos cadettes. Cette conférence a vu la contribution de l'organisation Lions Club, dirigée par le docteur Linda Kabore. Vraiment, cette journée est magnifique. Et là, vous avez vu comment les stands des métiers sont pris d'assaut. Certains métiers ont plus de succès que d'autres, évidemment. Mais je pense que c'est la première édition où on est tous ensemble avec les anciennes, les alumni du lycée et nous avec le Lions Club et qu'ensemble on est plus fort. Donc rendez-vous est pris pour le prochain Forum des métiers en 2024. Le panel s'est clôturé par la remise d'un livre intitulé « Vos Wu Inspire » aux meilleurs élèves de l'établissement. L'ouvrage a pour objectif d'inspirer et encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves et par-dessus tout, à croire en eux-mêmes.